Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour un nouvel épisode sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Une nouvelle semaine, une nouvelle journée de tournage pour moi. Alors je ne sais plus si on s'était laissé ici la dernière fois, mais avant de lancer le tournage, j'ai reçu une petite cinématique de notre très cher Ronald Weasley qui nous... Tu ne devais pas aller au bureau de drogue. Voilà, qui nous disait exactement ceci. Donc... la dernière fois, on avait quand même pas mal avancé parce que regardez, au niveau des tâches, on avait exactement tout réussi. Je viens de lancer la sauvegarde et on en est rendu à 51% du jeu. Alors, est-ce que pour eux, un 100% signifie de terminer l'histoire ou est-ce qu'un 100% pour eux, ça signifie tout simplement finir l'histoire? Parce qu'il y a les défis et tout ça, alors je ne sais pas si je vais m'amuser à tout fouiller à 100%. Je ne sais pas, ça dépendra de mon humeur les amis. Et ça dépendra surtout si on finit le jeu rapidement ou pas. Si on finit pas le jeu rapidement, je serai peut-être moins enclin à faire les défis. Donc ça reste à voir. Ça reste à voir. Alors désolé si on lag ici, hein. C'est toujours un endroit où on lag beaucoup. Donc bon, on verra ça les amis, en tout cas moi je vous dis, je joue à ce jeu principalement pour être bercé par l'univers. Mon but n'est pas non plus de vous proposer un let's play montrant toutes les techniques et solutions du jeu. Sinon j'appellerais ça un let's play 100% ou un truc du genre. Mais là notre objectif c'est juste de se faire bercer par l'univers d'Harry Potter. Voilà. Serpentard a toujours été au-dessus des autres. Attendez, parce que là, je crois qu'il faut encore que je monte. Salut. Ouh. Eh oui, c'est Potter. Et c'est la première fois aussi que je tourne un épisode d'Harry Potter avec mon nouveau micro. Alors j'espère que le son ira de votre côté, les amis. Est-ce que tu as lancé tes pétards? Non, toujours pas. Apparemment, tu es fâché. Tu me boudes et tu ne désires plus me parler. Fichus espions, ils nous observent, ils nous observent tous. Par là. Aller après Hollard la prochaine fois. Et toi, tu y vas? Salut. J'ai loupé quelque chose. Salut. Pourquoi désolé, désolé. J'ai loupé, mais j'ai fini par le voir. C'est par là? Non, c'est par là. Oui, je m'en rappelle, c'est bon. On va encore faire un certain cours léger et mince. J'étais super content quand le choix... Et quand Rogue va dire à Harry, votre père était un salaud. Mais je comprends en fait hein, pourquoi Rogue il avait vraiment une haine contre James. Après tout, James l'a humilié, il lui a volé Vous sa femme tard, et tout. Potter. Enfin, sa en meilleure amie. Ah oui, c'est vrai. Faut repousser dans le sens inverse, c'est ça? Attendez, attendez. Faut que je m'y rappelle, faut que je m'y rappelle. Utilisez votre baguette pour me contrer. Ah, pourquoi ça veut pas? Ah mais non, mais j'ai pas fait le bon! J'ai pas fait le bon, désolé, j'ai pas fait le bon. Comme c'est tout. Désolé, désolé. Je me réveille, les amis, je me réveille. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Voilà! Alors peut-être que vous m'entendez marteler ma touche, hein, désolé. Bon, il commence à aller de plus en plus loin.
Je vais un peu moins marteler parce que je pense que j'ai moins besoin. Vous imaginez quand ça va être Voldemort, ça va être quelque chose, hein. Quand ça va être Voldemort, il va bouger sa baguette dans tous les sens, il va nous brainfuck le cerveau, je le sens. Il va nous faire des feintes, il va faire des cercles et tout. Bon, ça, il est de plus en plus loin. Ah, je pense que c'était la dernière fois. Voilà! Voilà! Qu'est-ce qui s'est passé, Potter? Je viens de réaliser... Qu'y a-t-il au département des mystères? Quoi? J'avais oublié que je l'avais vu quand je suis allé à l'audience. J'en ai souvent rêvé. Et Voldemort y a souvent pensé. Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Le département des mystères renferme beaucoup de choses, Potter. Mais peu que vous pourriez comprendre et aucune qui vous concerne. Suis-je assez clair? Mais... Ce cours est terminé. Toujours fidèle à lui-même, hein. Tout le monde t'attend dans la salle sur demande. D'accord. Je crois que l'AD est une réussite. Nous faisons tous d'énormes progrès. Alors, comment te dire, Hermione? C'est pas... Loin de moi la volonté de te ridiculiser, ma très chère Hermione Granger, mais le fait de donner des abréviations à une organisation, c'est totalement dépassé. C'est totalement dépassé. Ça sert plus à rien de le faire. Ça rend un peu ridicule. Donc tu devrais éviter, ma très chère Hermione, dis tout simplement... l'armée de Dumbledore, c'est quand même... Voilà, je sais pas. Faut rendre hommage à Dumbledore, quand même. J'ai peur de l'avoir dépassé. Donc, bah au pire, je sais où c'est, hein. Ah, j'ai découvert 100% de ce côté-là. Attendez, je vais juste voir un truc. Eh non, il n'y a aucune tâche. Hein. C'est bizarre ça qu'il n'y a quand même aucune tâche. Deux secondes, hein. Moi je vérifie juste un truc. Ouais, on a quand même pas mal découvert pas mal de choses. Hein. 3%. Tiens, on n'a pas encore été dans la grande salle, hein. Ni dans le hall d'entrée. C'est bizarre que la salle sur demande soit pas représentée. Je sais pas. Alors, je sais que sur la carte, la salle sur demande n'est pas représentée dans la carte du maraudeur. Mais il y a l'entrée. Il y a l'entrée, plutôt tout du moins. Je sais pas, c'est bizarre. Messieurs Lunar, Quetvert, Patmol et Cornedru sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Seuls les vrais connaissent par cœur. Pourquoi? Hein? D'accord, j'ai compris. Touk! Voilà. Par là. Parce que la salle sur demande est au dernier étage, les amis. Oh! Et j'ai pas de balai dans le coin? Ouais, c'est ça. Et vous êtes pas transparent. Salut! Ouais, salut, au revoir. Hop! Oui, très cher, nous allons au 7e étage. Nous devons avoir une petite assemblée, n'est-ce pas? On pourrait faire le ménage tout de même.
Voilà, par là. Hop. Wow. La violence. Wouhou. Ok. Septième étage. N'est-ce pas, hein? Je regarde un peu aussi hein, dans le coin s'il n'y a pas des choses à faire. Voilà. Harry, ma tante dit que tu sais faire apparaître un patronus corporel, c'est vrai? Oui, c'est un cerf. Ça alors, Harry, je ne savais pas. Et si on apprenait le spéro patronum? D'accord. Vous devez penser à un très bon souvenir pour obtenir un patronus puissant. Bon, regardez. Et attention, c'est parti. Triangle. Spero patronum. Ok. Ouah, c'est classe. Ah, Bombarda Maxima. C'est Ombrage. Comment elle nous a trouvés? Peu importe. Courez. Harry, qu'est-ce que vous attendez? Courez! Tu es fichu, Potter. Oh, il est vénère. Wow, 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 wow! Et oh! Expelliarmus! Stupéfix! Au secours! Deux secondes. Juste histoire de se mettre à la page. Boum. Expelliarmus. Donc ça, c'est vers le haut. Non, vers le bas, vous voyez. Stupéfix. Ok. Protego. Là, c'est pour le coup vers le haut. Je me remets un peu dans le... Tiens, peut-être un petit... Petrificus totalus, ça peut... Ouais. Ouais. Par contre, comment je suis censé me relever? Oh, mais ils sont trop nombreux, c'est infâme! En fait, je ne sais pas si... Ah, c'est fait exprès, c'est fait exprès. Excellent, Drago, excellent. 50 points pour Serpentard. Je m'occupe de lui. Je suis désolée, Harry. Je suis désolée. Allez, finis la plaisanterie. Ça vous va si je rédige ma confession? Professeur, pas un mot, Harry. J'ai donné l'ordre à Harry de former cette organisation. Et c'est moi le seul responsable de ses activités. Mais je crains fort de ne pas avoir l'intention de vous accompagner. Pardon. Voilà, la fameuse scène avec Ombrage. Bon, par contre, le feu d'artifice pour Dumbledore, c'est moins stylé que quand il appelle son petit phénix. Je suis content quand le chapeau magique m'a placé à Serpentard. Je voulais surtout pas. Harry, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en sont pris à Hagrid, des sorciers du ministère et Ombrage. Quoi? Il va bien? Hagrid a fui, mais le professeur McGonagall a essayé de l'aider. Elle est blessée. Il faut faire quelque chose. Il faut aller à la cabane d'Hagrid. Il a peut-être laissé des indices. Comme quoi, il aurait aidé Dumbledore à contacter les géants. Weasley est notre roi. Il laisse le soif l'entrée tout droit.
Pas mal, pas mal, vous avez entendu? Weasley, notre roi, il laisse passer le soifle tout droit. Pas mal, pas mal. J'applaudis. Non, franchement. Je dis rien, je vous laisse. Par là. Par là. Par là. N'empêche, ça m'a bien fait rire. Désolé pour Cho. Ouais. Après, faut savoir, les amis, que Cho, elle a... Ils se sont servis du Veritas Serum. Voilà, merci. Merci, Hermione, hein, de gâcher toutes mes explications, hein. J'aurais pu le dire. Où crois-tu que Dumbledore est allé? Je ne sais pas. Il va sûrement consacrer tout son temps à l'ordre, maintenant. Par là. Je croyais qu'on allait chez Hagrid. Bah oui, on va chez Hagrid. Sauf si t'as plus envie. Hein. Oula, ralentissement. Comment vas-tu ? Ça va ? Esquive. Salut. Esquive. Allez, tombe de ton balai. Bonjour à toi aussi. Le mec, il dit tombe de ton balai, il voit pas qu'on est à pied. Je sais pas, hein. Oui, donc je disais, oui, Cho a reçu du Veritas Serum parce que Ombrage aimait bien torturer les élèves et aussi forcer un peu Rogue à faire ingérer du Veritas Serum aux élèves afin d'avoir des informations sur le complot du ministère. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont d'accord avec moi pour qualifier Ombrage comme étant la plus... odieuse et détestée de l'univers Harry Potter au niveau des méchants. Et je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que quand vous y réfléchissez, tous, et j'ai bien dit, tous les ennemis d'Harry Potter ont une raison d'être méchants. Voldemort, c'est un peu la théorie de la race. Hein. Pour lui, Voldemort, voilà, Les sorciers sont plus puissants que les moldus, donc il faut les éradiquer, et il faut éradiquer aussi les sorciers qui ne sont pas de sang pur. Ça doit vous rappeler un certain personnage historique, hein, voilà. Donc, que sa raison soit justifiée ou pas, il a une raison. Mais Ombrage, elle n'a aucune raison. La famille Malfoy, ils suivent Voldemort parce qu'ils ont peur. Bellatrix, parce que elle voue une certaine admiration envers Voldemort. Mais vraiment, Ombrage, elle a aucune raison d'être méchante. Elle adore torturer les personnes. Et elle n'est pas du côté de Voldemort pour autant. Hein. Mais elle aime bien torturer. Elle n'a pas de camp. Elle aime bien torturer. Elle aime bien être méchante. Et n'a pas forcément de raison pour l'être. La preuve, elle dit « je déteste les enfants », mais elle ne nous a pas forcément dit pourquoi elle aime pas les enfants. Il n'y a pas une histoire de race ou quoi, enfin, je sais pas. Hein. Encore un combat, c'est ça ? Potter a pris son temps pour venir. Qu'est-ce que tu vas faire sans ton professeur chéri, Potter ? Qu'est-ce que tu fais ici, Malfoy ? Je suis venu fêter ça, Potter, comme toi. On savait tous que ce gros balourd était incompétent. Mais les autorités ont enfin fini par s'en rendre compte. Fais gaffe, Malfoy. Évidemment, le ministère a dû fournir des renforts au professeur Ombrage. Il se doutait que ce demi-géant était trop stupide pour comprendre qu'on l'avait renvoyé. Ça suffit, Malfoy. Oh non ! Et ça va... Voilà. Voilà, un petit combat. Wow. Et je suis nul en combat. Mais vraiment, je suis nul. Je sais pas comment me relever, moi.
Oh, les a niqués. Pardon, je suis vulgaire. Tu te crois malin, Potter ? Mais les temps ont changé. Même McGonagall est partie pour Sainte-Mangouste, là où on met tous les dingues. Non, c'est vrai ? Elle est partie pour Sainte-Mangouste ? Dumbledore, puis Hagrid et le professeur McGonagall. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je savais pas ça. Il faut faire quelque chose. Il faut trouver comment combattre Ombrage. Il faut trouver les autres. On va montrer à Ombrage qui commande à Poudlard. Ou on va montrer qui c'est les hommes. Pas d'offense envers les femmes, hein. C'est juste pour la blague. Hein. Ok, ben écoutez, c'est parti. On va commencer par notre cher ami Colin, qui malheureusement meurt. Hein, Colin, hein, pour vous rappeler, dans la grande bataille contre Voldemort, Colin meurt. Colin Creevy, le journaliste photographe de Poudlard. Malheureusement pour lui, vint à mourir de façon assez horrible. Tout comme Lavande qui se fait un peu bouffer par, je crois que c'est par Greyback. On le voit en train de la grignoter dans le film. Bon, évidemment, vous avez le professeur Lupin et Tonks qui meurent ensemble aussi, c'est assez triste. On a qui d'autre aussi qui meurt? Bah, l'un des deux frères, hein, je crois que c'est Fred qui meurt. On a qui d'autre? Bon bah Sirius Black, ça c'était dans justement l'Ordre du Phénix. Mais pendant la bataille, y a qui d'autre qui meurt aussi? Dobby, mais ça c'est avant. Bah Bellatrix. D'ailleurs j'aime beaucoup hein, Bellatrix. Qui d'autre qui meurt? Bon bah Voldemort hein, bien sûr. Harry une fois. Mais ça lui suffit pas, il faut qu'il ramène encore son grain de sel après. Hein. Qui d'autre qui meurt pendant la bataille? Hé, hey, Harry! Oui, j'arrive. J'arrive, Bibiche, j'arrive. Je suis là. Et là, qu'est-ce qu'il sait? Et je peux pas prendre? Eh ben, je vais prendre. Salut, Colin! Ah, voilà. Est-ce que ça va? Non, je n'arrive pas à lancer les sorts que tu nous as appris. Si seulement j'y arrivais, je pourrais enfin leur montrer à cette stupide brigade inquisitoriale. Tu sais qu'ils dénoncent à Ombrage des élèves qui n'ont rien fait du tout? Ouais, je sais, Colin. Mais... Je veux les affronter comme toi, Ron et Hermione. Fred et George disent que je peux. Ils m'ont donné ces boîtes de chocolat de chez Honeydukes pour la brigade inquisitoriale. Mais je peux pas entrer dans la volière pour les envoyer. Je vais t'aider. Quoi? Vraiment? Oui, mais pourquoi Fred et George veulent envoyer des chocolats à la brigade inquisitoriale? Ce ne sont pas vraiment des chocolats, ce sont des beuglantes très puissantes. Quand les membres de la brigade les ouvriront, ils seront poursuivis par des beuglantes qui leur crieront dessus. Fred et George ont des idées géniales. Il faut trouver un moyen d'entrer. Trouver un moyen d'entrer. Bah c'est là où on va escalader. Ah mais vous, on est quatre maintenant, non? Par contre. Qui a bien pu planter tout ça? Un peu d'aide, Harry? Wingardium Leviosa! Pardon. Stop. Attendez, hein. C'est ça qu'il faut escalader, non? Voilà. Moment Assassin's Creed, les amis. Alors, okay. D'accord, j'ai découvert une nouvelle créature volante. D'accord. Ok, donc là faut descendre et là faut que j'imagine passer par là. Ça y est, Harry, passe dedans. Préviens-moi quand tu auras atteint le sol. D'accord. Tu y es? What the fuck? C'est bon, Colin. Wow, tu as réussi. T'es un super bon grimpeur, Harry. Vraiment. Oui, je sais, merci. Merci. Fais-moi vite passer les boîtes avant qu'Ombrage arrive. D'accord. Ouais, je vais devoir les mettre. Oui, d'accord. Voilà, tu l'as eu. Ok, ouais. Je vais devoir les mettre. Merci. Là où il y a des croix, c'est ça? Oui, bah oui, j'avais compris. Eh ben, ça va nous en faire du boulot, ça. Wingardium Leviosa. Wow. Et doucement, Coco. Attends. Il a du mal, hein.
attendez, on va y aller doucement. Wow, wow, wow. Voilà. Prêt pour une autre boîte. Génial. Wingardium Leviosa. Merci Bibiche. Attends, je le vise, voilà. Hop. Doucement, doucement. Voilà. J'ai fait tous les nichoirs du rez-de-chaussée. Je savais que tu y arriverais. N'oublie pas ceux des étages. Wingardium Leviosa. Oh, faut que... Non, non, c'est bon, ils sont là. Voilà. Guigui descend. Monte. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Oui. Envoie une autre boîte, Colin. D'accord. Wingardium Leviosa. Aïe, ça c'est ma tête. Wingardium Leviosa. Doucement, doucement. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a plus. Envoie la dernière. C'est génial, Harry. Elle est là. Wingardium Leviosa. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, Harry? Harry, t'es feu. What? Envoie une autre boîte, Colin. D'accord. Wingardium Leviosa. Attendez, parce qu'il a un peu bugué, là, notre très cher ami. Eh, franchement, on n'aurait pas pu le prendre à la main, celui-là. Quand même. Voilà. Terminé. Je ressors maintenant. Ah, c'est fini? Ça donnerait une bonne leçon à ceux de la brigade. Attends, Ruzar arrive. Vite, va à la fenêtre du dernier étage. Oh, et t'abuses, je viens de descendre. Attendez. Attendez. Je ne peux pas atteindre la fenêtre. Elle est trop haute. Fred et George ont parlé de réparer un truc. Cherche quelque chose à réparer pour atteindre la fenêtre. Oh, j'ai pas attendu que tu me le dises, hein, Coco. Qu'est-ce que tu fais après les buses? Tu vas rester à Poudlard? Je l'espère. Moi, je passe mes buses l'an prochain, mais je sais pas quel aspect prendre. Et toi, tu vas choisir lesquels, Harry? Je ne veux pas parler des examens. Je suis suspendu à un mur. J'adore sa justification. C'est tellement ça. Tant de choses ont changé depuis notre première année. T'as vraiment le temps de faire une rétrospective de ta vie pendant que t'es suspendu au-dessus d'une poutre. Ah, Harry, c'est pour ça que je t'aime. Alors, voyons voir. Vite, avant que Ruzar arrive. Oui, oui, oh, du calme. Hein. Par là, j'imagine. Allez. Tu imagines si tu tombais de là-haut? Ce serait cool, hein? Comme si tu étais un oiseau jusqu'à l'atterrissage. Mais... enfin là, ce serait moins cool. Mais il est fou, lui! C'est rigolo que les buses s'appellent comme les buses, hein, Harry? Tu pourrais prendre une buse pour passer tes buses, ce serait drôle, hein? Non mais, il est complètement malade, le gars. Il est ch'tarbé, moi, je vous le dis. Comment suis-je censé faire, là? Pardon? Attendez, hein, 2 secondes. On va aller au bord. Non? Bah, de l'autre côté, alors. Allez, arrête de faire ton timide, Harry. Fonce un peu. Ah, attendez. Là. Non? Il veut... Ah, merci. Attends, avance. Ah ouais, parfois il a pas envie, hein. Bon, voilà, merci. Bon, je pense qu'on va finir avec Colin et puis on va se laisser là, hein. Allez, courage, on y est presque. Allez, lâche. Oh là là. Ah, ça se voit qu'il a le vertige, hein, le loustic, là. Hein. Bon, faut dire c'est où.
Non, on monte pas. Attention au hibou, Harry. Oui. Oh purée, c'était en haut. Tu crois que tu verrais défiler toute ta vie sous tes yeux si tu tombais? J'aimerais avoir une vie aussi cool que la tienne. Ces beuglantes vont faire passer de mauvais moments à la brigade inquisitoriale. Tu as été très bien, Colin. C'est vrai. Mais il est vénère, Harry. Maintenant, va-t'en vite avant que Ruzard n'arrive. Oui, bien sûr. Merci, Harry. Waouh, j'ai aidé Harry Potter. Dennis sera vert de jalousie. Il a l'air vénère, Harry, à chaque fois. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Des bisous à tous, ciao ciao!